L'étiquette du couple a été une fois passée au crible, tous deux étant critiqués pour avoir agi trop comme des gens normaux. La princesse Kate et le prince William ont souvent été félicités pour leur approche affable de la royauté. Le prince et la princesse de Galles ont souvent fait connaître leur désir d'une vie normale, comme en témoigne récemment leur déménagement du palais de Kensington à Londres à Adelaide Cottage à Windsor. Cependant, le couple a déjà été critiqué pour son aventure dans la normalité, l'un des principaux consultants britannique en matière d'étiquette affirmant que la famille royale n'est pas censée être comme l'un d'entre nous. Ayant travaillé au sein de foyers VIP et conseillé des entreprises et des diplomates, William Hanson est un expert de premier plan en matière d'étiquette et de protocole. Il a fourni une analyse et un aperçu des mariages royaux de William et Kate, du prince Harry et de Meghan Markle. Et de la princesse Eugénie à Jack Brooksbank, ainsi que des commentaires sur les jubilés de diamants et de platine. Écrivant pour le Daily Mail en 2016, Monsieur Hanson a exprimé son inquiétude pour l'avenir de la monarchie et de la jeune génération de membres de la famille royale lorsqu'il a déclaré « Nous avons un petit problème. La famille royale est devenue trop normale. » S'il a admis que son appréhension ne s'appliquait pas à tous, affirmant qu'il y en avait encore une bonne poignée qui trouve le juste équilibre, il a lancé un avertissement, c'est la jeune génération qui doit faire attention. L'expert en étiquette a insisté sur le fait qu'il avait le souhait que notre famille royale dure pour des temps immémoriaux, mais a ajouté, au rythme actuel, cela ne se produira tout simplement pas.